Demain. T'as de la crème solaire ? Oui. Pourquoi ? Tu veux bien m'en prêter un peu ? Excuse-moi, c'est bizarre d'aborder quelqu'un comme ça. C'est juste que j'ai vraiment pas envie d'avoir la peau brûlée. Une fois, j'ai vu cette femme avec un mélanome sur l'épaule. Enfin, ça me fait peur, tu vois. Tu viens souvent ici ? Non, c'est la première fois. Moi aussi, c'est la première fois. J'ai apporté un hamac. Je l'ai accroché un peu plus loin. L'endroit est super agréable. Et avec la chaleur, on dort super bien dedans. Je peux te le prêter si tu veux faire une sieste. Ou même si tu veux dormir dedans, c'est un deux places. Oui, pourquoi pas. D'ailleurs, tu m'as même pas dit pourquoi t'es venue ici. T'es en vacances ? En vacances ? Ouais, on peut dire ça. Enfin, pas vraiment. C'est un peu compliqué. Si je t'explique, tu vas pas me prendre au sérieux. Bah si, vas-y. Dis-moi. Je t'écoute. J'ai lu dans un magazine qu'il existait un test qui permettait de connaître l'endroit sur Terre où tu serais la plus heureuse. Comme le lieu idéal.
l'endroit où t'es censé être sur Terre. Mais c'est hyper sérieux, c'est un algorithme qui a été inventé par le docteur Campbell. Donc je l'ai fait, et ils m'ont donné des coordonnées géographiques. Je les ai tout de suite rentrées dans mon GPS, et ça m'a donné ça. La rivière, la forêt autour. Donc j'ai pris quelques affaires, j'ai pris ma voiture, et j'ai roulé une journée entière, et voilà. Tu te fous de ma gueule. Je savais que t'allais pas me prendre au sérieux. C'est pas du tout ça, c'est juste incroyable. J'ai fait le même test. Arrête. Je te promets. J'ai fait le même test. J'ai répondu à toutes leurs questions. Leur truc de date de naissance, de lieu où t'es né, leur exacte à laquelle t'es né et tout le reste. J'ai regardé sur une carte sur internet et j'ai trouvé cet endroit. Ici aussi. Dingue. Pardon.
fais quoi? Je suis partie faire pipi, rendors-toi. Je crois que beaucoup de personnes ont fait cet algorithme. Je sais pas. Je connais des gens de mon entourage qui l'ont fait aussi. Une de mes amies proches l'a fait en même temps que moi. Ça lui a donné un petit village en Australie. Mais elle a pas beaucoup d'argent, du coup elle y est pas allée. Elle compte partir quand elle aura économisé de quoi payer le voyage. Personnellement, je connais personne qui l'a fait. Mais j'ai lu des témoignages de gens sur Internet. Juste avant qu'il parte, un mec a eu des coordonnées GPS qui lui indiquaient un lieu à 10 km de chez lui. Comme quoi, parfois, t'es proche du but sans même le savoir. C'est vrai. Imagine ceux qui tombent sur l'Alaska ou dans un désert. On est bien tombés quand même. C'est beau ici. Quand même. Tu crois pas que c'est des conneries, hein? Je veux dire, on a trouvé. T'as tout foutu en l'air. On a tout foutu en l'air pour arriver là. Et maintenant, c'est quoi la suite? On fait quoi après? Tout le monde se barre dans la nature comme des sauvages? On va rester planté là, c'est ça? Tu croyais quoi? Bah, j'en sais rien. J'en sais rien. J'y vais. Tu viens? Ouais, je te rejoins. Je suis désolée. Je suis désolée.